Eh bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui je suis super content de vous proposer cette vidéo qui à mes yeux a bien plus d'un sens. Tout d'abord ça fait bien longtemps que je me suis pas posé sur un gameplay déjà enregistré, que j'y ai pas mis ma voix après. Et justement ce procédé permet de partager entre vous et moi bien plus de choses. Waouh, on va discuter les gars. On va discuter, donc je vais commencer la vidéo très très fort d'ailleurs. Mettez pause immédiatement, pas tout de suite parce que sinon vous n'allez pas comprendre ce que je vais dire après. Donc vous aurez mis pause pour rien, vous l'aurez compris. Mais voilà, mettez pause et mettez cette vidéo en 4K les gars. Réellement, j'y tiens, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est incroyable, c'est la première fois que j'ai joué en 4K HDR. Que j'ai pu enregistrer en 4K HDR. Dans la description et sur la vidéo, il y a quelques images qui vont circuler. Tout ça grâce à des technologies fort incroyables, mais c'est l'avenir et on va tous y passer, ça va être totalement dingue. Donc, j'ai une télé 4K à la maison, OLED, HDR, tout ce que tu veux, elle est dans la description, voilà. Celle que j'ai dans mon salon est dans la description si ça t'intéresse. Si ça ne t'intéresse pas, tu ne vas pas voir. Donc, là, ma télé 4K est dans la description si tu veux aller voir sur quoi j'ai joué. Et bien évidemment, j'ai branché la Xbox One X en 4K avec les meilleurs câbles du marché. Bien évidemment, parce qu'il y a plein de normes, il y a plein de trucs aussi à respecter pour jouer dans les meilleures conditions. Et j'enregistre ce gameplay entièrement 4K HDR à l'aide d'un boîtier qui porte un nom incroyablement badass. Ça commence par Ninja, ça finit par je sais pas quoi, Naruto et tout, tu vois. Et ce boîtier-là, à lui seul, vaut 1200€. Voilà, c'est le prix à l'heure actuelle du marché pour pouvoir enregistrer vraiment de la véritable 4K avec le HDR, etc., etc. Donc, grâce à ce boîtier, j'ai pu jouer pour la première fois en 4K HDR sur ma télé. Et en plus de cela, vous le partagez. Je vous vois arriver à 10 000 km. En tout cas, j'en vois certains arriver. Mais Mister B-Boy, mais je ne comprends pas. Les yeux, ça ne voit pas au-dessus. Le 30 FPS, hein, Mister B-Boy, les yeux, ça ne voit pas au-dessus du 1080p. Il y a des gens, forcément, qui vont arriver dans la description, dans les commentaires, pardon, et qui vont dire ça. Bon, détrompez-vous, les gars. Renseignez-vous. Tapez sur Wikipédia et tout. Parce que c'est lourd, ces débats. C'est lourd et ça n'a pas de sens. Bien évidemment qu'il y a une différence entre 1080p et la 4K, la définition est 4 fois plus élevée. Évidemment, pour en profiter, il faut être sur un grand écran. Et là, tu te rends vraiment compte de cette chose incroyable qui est l'avenir finalement. Quand vous cassez quelque chose, le nombre de particules, de boules métal qui part. Moi, les gars, je vous en parle en mode fanboy avec des yeux d'enfant. Parce que j'ai connu l'arrivée du DVD et quand on passait de la cassette au DVD, j'étais là en mode c'est incroyable, c'est magnifique, regardez les détails sur la peau. Et là, passer du 1080p à la 4K, soit une résolution 4 fois plus élevée, j'étais là en mode damn, on arrive à voir un herpès sur un mec qui est à 20 mètres, c'est juste ouf. Et j'ai joué à ce Star Wars Battlefront 2, bien évidemment, sur Xbox One X, qui propose quand même de la véritable 4K, même si les FPS et tout, ça peut des fois prendre une petite claque. Mais voilà, j'ai joué sur ce Battlefront 2, et réellement, j'ai pris une claque incroyable. Je me suis posé avec des amis, j'ai fait une petite soirée, j'ai dit, venez, vous savez quoi, on va essayer Battlefront 2. Et on s'est posé, on a commencé à jouer, donc là, vous avez une des rediffusions, et j'étais en mode, waouh, c'est incroyable, réellement, c'est incroyable. Je vous vois aussi arriver et dire, B-Boy, ça sert à rien, on a des écrans 1080p, mettre cette vidéo en 4K, mis à part bouffer la peau, je vois pas trop le projet. Bah détrompez-vous, réellement, même si vous avez une connexion de merde, téléchargez la vidéo en 4K, il n'y a aucun souci, et matez-la dans cette meilleure des résolutions. Vous allez vous rendre compte de la qualité tout simplement de cette vidéo. Et pourquoi ça sera forcément plus beau en 4K qu'en 1080? N'oubliez pas non plus que YouTube compresse nos rendus qui sont eux-mêmes compressés via nos logiciels. Ce qui fait que la 1080p est très souvent saccagée. Voilà pourquoi autant mettre en 4K, ça sera quoi qu'il arrive bien plus fin qu'une vidéo en 1080p. Il faut savoir que 8 minutes de vidéo enregistrées. Ouais, je vous raconte ma vie les gars, hein, bien évidemment. Et je compte sur vous en commentaire pour participer et partager nos expériences qu'on a eues. Là, cette vidéo que vous regardez, c'est 138 gigaoctets à l'état brut. C'est incroyable. J'étais en sueur. J'étais en sueur. Mon PC était en sueur. Le PC de mon PC était en sueur. Tout le monde était en sueur. C'était terrible. Donc, je parle par-dessus. Voilà. Là, je vous parle avec des yeux d'enfant. C'est incroyable. En plus de cela, il y a l'épisode 8 Star Wars. Épisode 8 The Last Jedi qui sort dans 2-3 jours. Selon la sortie de cette vidéo. Et j'ai tellement hâte. Bah, Star Wars, voilà, c'est mon délire. Alors, je vous vois aussi arriver. Et bien évidemment, c'est pour ça
que tous ensemble, partageons dans les commentaires, partageons nos expériences et nos avis. Je vous vois arriver, ouais, Seigneur des Anneaux, c'est mieux, Harry Potter, c'est mieux. Il y a zéro souci, les gars, je peux comprendre parfaitement. Moi, c'est Star Wars, c'est mon fils, ma bataille, les gars. Depuis que j'ai 2 ans et que mon daron m'a emmené sur Tatooine, je peux pas. Voilà, Star Wars, c'est ma série de films. Science-fiction futuriste, c'est mon fils, ma bataille. Depuis gamin, j'étais bercé par Star Wars. Et réellement, c'est incroyable. Voilà, là je vous parle, j'attends vraiment le 8. Le 7, on sait ce qu'il était. Hein. C'était pas le meilleur, très clairement, des 7 films. Mais il est ce qu'il est, étant, entre guillemets, fanboy. Et comme tout fanboy, la plupart du temps, un peu aveuglé hein, par le reste. Ok, il était pas très bon, le film. Mais pour moi, il était, c'était Star Wars. Donc ça me suffit, les gars. Ça me suffit. Là, je vous parle vraiment avec une âme d'enfant. Moi, ça me suffit et j'adore. J'adore et j'adorerais, de toute façon. Ils peuvent me mettre le plus gros bousin et écrire Star Wars dessus. Bah, je vais peut-être pas le manger. Mais en tout cas, je vais sortir du ciné avec des petites paillettes dans les yeux quand même. Parce que, voilà, je suis aveuglé, je vous le dis. En tant que fanboy sur le coup, je suis totalement aveuglé. Donc, je me suis dit, voilà, pourquoi pas vous proposer du Battlefront 2 avant la sortie de ce Star Wars épisode 8. Pourquoi pas partager nos avis sur le film, partager nos avis sur le jeu, évidemment, partager nos avis sur la 4K. Alors, vous savez, la 4K, pour vraiment se rendre compte de ce futur qu'on aura, parce qu'on va y passer, hein, les gars. Ça, l'Xbox One X, c'est pour moi un avant-goût de la PS5 et de la future Xbox. Pour vraiment avoir un aperçu, il faut l'essayer. Il faut que vous alliez dans une boutique ou chez un ami qui est assez blindé, hein, on va pas se mentir, qui a une belle télé 4K, qui a un écran vraiment qui en met plein la vue, assez grand, si possible, avec le HDR, tout ce qu'il faut. Et il faut vraiment que vous essayiez. Posez-vous dans un magasin si vous avez cette possibilité. Il faut pas être sur un petit 24 pouces ou autre. Plus l'écran est grand, plus la 4K, vous verrez à quel point c'est impressionnant. Il faut que vous essayiez. Et croyez-moi, vous viendrez, vous direz, boy, j'ai vu, c'est beau. C'est beau, c'est magnifique, réellement, ça donne confiance en ce qu'on aura bientôt. C'est impressionnant de jouer en 4K. Voir un film en 4K, ça m'a pas spécialement impressionné, parce que la 1080p est déjà propre, mais jouer en 4K, j'étais là en mode, waouh, tout est beau, je regardais des fois le ciel, je me posais, je regardais le sol, je regardais les effets, justement, d'étincelles aux impacts et tout, et je me suis dit, je dois vous le montrer, on doit partager ensemble ce moment, parce que je vais m'énerver sinon. Donc, je l'ai fait. Si vous voulez d'autres vidéos en 4K, évidemment, faut que le jeu soit optimisé pour la 4K, qu'un patch soit sorti. N'hésitez pas à me demander si vous voulez, par exemple, Call of Duty, il me semble que World War 2 a eu un patch 4K. Si vous voulez voir du World War 2 en 4K, dites-moi, B-Boy, réellement, fais-nous une partie qui déglingue sur Call of en 4K. Je vous promets que la semaine prochaine, je vous le fais. Si vous voulez voir du Forza en 4K, n'hésitez pas à me le demander. Le jeu de voiture, il n'y a que vous qui pourrez me dire si vraiment ça valait le coup. Mais je compte sur vous. Partageons ensemble cette expérience. C'est la première vidéo 4K sur ma chaîne, sûrement pas la dernière. Moi, c'était un petit kiff. Voilà, je vous ai parlé. J'ai fait cette vidéo à cœur, avec le cœur. Aveugle aussi, on va pas se mentir. Mais merde, c'est Star Wars. Je vous propose de la 4K pour la première fois. On kiffe les gars, profitez. A très bientôt, c'est déjà la fin de ce gameplay qui m'a coûté 138 Go. Et portez-vous bien, on se retrouve très très vite pour de nouveaux gameplays. A bientôt tout le monde, ciao ciao.